Madame Radjavi. Well, ladies and gentlemen, dear friends, allow me to speak French in my French country. Allow me, after three very good speeches in English, so please take your earphones and relax. French is a very sweet language. Madame Radjavi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Votre ténacité, votre courage, la clarté de vos exposés, la force de ce combat que vous menez depuis tant d'années me remplissent d'admiration. Bravo, madame. Et puis, j'ai entendu beaucoup de choses de très intéressantes qui témoignent de votre obstination à poursuivre le combat pour la liberté de votre pays. Mais j'ai aussi entendu d'admirables récits des combats menés par les associations qui composent cette convention formidable. La façon dont, dans la diaspora iranienne, on n'oublie pas les gens qui sont au pays et qu'au contraire, tout en menant sa vie professionnelle, comme ça a été dit, sa vie familiale, comme cela a été dit, tout en travaillant dans le pays qu'ils ont choisi où le destin les a poussés, eh bien, le combat pour la libération de ce pays, tous les jours, est mené par les gens qui sont ici et que j'ai, avec beaucoup d'émotion, entendu. Alors maintenant, je trouve aussi admirable que Madame Radjavi et les Moudjahidines du peuple arrivent à réunir sur la même tribune des gens qui pensent différemment et qui sont, à droite ou à gauche, des échiquiers politiques, mais qui arrivent à être d'accord sur la critique fondamentale de ce que l'on appelle l'Iran en ce moment et qui représente si mal l'Iran historique, la place du peuple perse et le rôle qu'il a joué, ce peuple, dans la libération des autres peuples. Je trouve que la proposition de M. Bolton, pour prouver que nous n'abandonnons pas et que si même nous négocions, je reviendrai sur cette négociation, car elle me semble nécessaire, mais même si nous négocions, il faudrait donner des preuves de notre soutien à ce peuple iranien que vous représentez. Et la proposition de prendre en charge les habitants de Liberty doit être menée non seulement par les États-Unis, mais aussi par l'Europe. Par l'Europe et par les États-Unis. Et ce serait une belle preuve, ce serait une très belle preuve de soutien à votre combat. Et pourquoi ce combat nous regarde-t-il autant? Parce que depuis longtemps, la France a compris, dans le combat lui aussi, dans la difficulté historique, la France a séparé, une fois pour toutes, les églises de la politique nationale. C'est un anachronisme invraisemblable. C'est le Moyen-Âge de la pensée que de voir ces mollahs, et à chaque fois je salue le seul mollah laïque, mais il vient de sortir, c'est pas grave, mais il y en a un toujours que je salue dans votre assistance. Il était là il y a encore 10 minutes. Mélanger, mais je crois que vous ne me comprenez pas. Do I have to speak English? Are you tired with all? Okay. La représentation moyenâgeuse de ce pays, qui est un pays moderne et vif, fait mal à tous ceux qui pensent que derrière cette apparence, cette théocratie, qui ne représente même pas le ciel pour ceux qui y croient,
qui ne représente rien d'autre qu'une oppression, que des fonctionnaires de l'oppression, des gens qui n'ont absolument pas de pensée théologique particulière, qui sont là pour museler le peuple, et qui le muselle, et qui l'assassine, et qui le torture. Comment peut-on tolérer, quelles que soient les difficultés de la région et les précautions qu'on doit prendre, comment peut-on tolérer que ces faux représentants du ciel oppriment les vrais représentants de la terre? Je crois que vous ne comprenez pas. Vous comprenez. Alors, laissez-moi revenir. Parce que, autant je partage cette belle idée de M. Bolton de prendre avec nous et pour les protéger et pour signifier par un geste politique très fort que nous sommes avec eux, les gens assiégés sans protection dans Liberty, autant je crois qu'il ne faut pas trop critiquer ce qui s'est passé avec le début des négociations, avec l'accord signé à Genève et avec les limites et les précautions nécessaires que l'on doit prendre. Et nous avons 6 mois pour essayer de voir s'il y a une sincérité dans ce qui serait un geste important pour la paix dans cette région, l'impossibilité de fabriquer des armes nucléaires par l'Iran. Je crois qu'il faut toujours donner une chance à la paix. Dans les exemples qui ont été donnés, Irak, résultats ne sont pas bons. Au contraire, regardez ce que fait M. Maliki. Afghanistan, les résultats ne sont pas bons non plus. Ce n'est pas dans la guerre qu'il y a une solution. Je crois qu'il y a une solution dans l'armement moral et la détermination de la société civile. Et tant qu'il y aura une possibilité, même illusoire, même très ténue, très petite, d'amorcer une paix et un désarmement nucléaire, puisque la progression, si les inspections sont autorisées, ne manquera pas d'être visible. Je crois que c'est dans 6 mois. Voilà le mola que j'aime. Bravo. Bravo. C'est vous qui devez l'applaudir. Bon. Merci, monsieur. Je voudrais conclure, parce que vous êtes fatigué, vous avez encore plein d'orateurs aussi magnifiques les uns que les autres à entendre. Je voudrais, pour terminer, vous dire que vous êtes certainement des représentants très qualifiés du peuple iranien, mais vous ne représentez pas seulement le peuple iranien. Vous représentez, mesdames et messieurs devant moi, vous représentez un espoir dans ce monde incompréhensible. Vous représentez une résistance. Et le mot résistance est un mot superbe. La résistance à l'oppression, la résistance à l'oppression intellectuelle, à l'oppression religieuse, à l'oppression physique, c'est vous qui la représentez. Et nous en aurions besoin dans tout ce Moyen-Orient déchiré. Parce que là, peut-être vais-je être d'accord avec John Bolton, je n'ai pas compris la politique et le changement politique des Américains. Il y a maintenant l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Hezbollah. Ce n'est pas un gros succès que de les mettre ensemble. Ça n'est pas un gros succès que de penser qu'après tout, ils peuvent devenir pacifiques. Ils ne deviendront pas pacifiques. Et il y a quelque chose que je voudrais bien qu'on m'explique et qui n'a pas paru dans les discussions ici, c'est qu'il y a aussi, mesdames et messieurs, une grande confrontation. Est-elle religieuse? Est-elle sectaire? Est-elle mélangée de cultures entre les sunnites et les chiites? Il y a des ferments de guerre quotidiens et une guerre quotidienne. Il faut aussi y penser. C'est un endroit très difficile. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Alors, en vous disant que
J'ai aussi beaucoup appris quand l'avocat anglais et iranien nous a dit que, pour certains d'entre nous, dont j'étais, l'analyse qui a été faite sur les moudjahidines du peuple et sur le terrorisme dont on les accusait a été une fausse analyse. Mais j'y ai cru moi aussi et je voudrais, devant vous, vous demander pardon pour cela. Donc, merci. Merci, madame. Alors, je termine avec mon premier apprentissage de la langue iranienne. Tasavie Mard, Vazan, Vajavanan. Pas mal. Ba Cherkate, Bazab, Vadaulat, Laïcité. Deuxième. Et troisième grand effort, Zendebad, Azadie, Aïde Jaïe, Choma. Merci.